prête? Ouais. La violence, c'est pas un choix qu'on fait. C'est la seule option qu'on a. C'est un retour. Connais-tu ça, le MLP? Mouvement de libération populaire? Je pense, ouais. J'ai lu ton journal. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un atelier du MLP demain soir. Tu viendras? Peux-tu même dire ce qu'un petit gars de Villemont-Royal vient faire ici? Je viens peut-être de Villemont-Royal, mais je vis dans le même monde que vous autres. Je pense pas, non. Je suis pas aveugle. Je vois bien que pour une poignée de riches, ça prend des millions de pauvres d'exploiter puis d'humilier. Depuis que je les ai rencontrés eux autres, j'ai l'impression que si je veux que les choses changent pour vrai au Québec, c'est avec des gens comme vous autres que ça se passe. Il va falloir que tu m'expliques ça parce que moi, je comprends plus, là. Ça fait longtemps que tu me comprends plus, là-bas. C'est pas nouveau. On est parti, on peut plus reculer. Robert, on est des militants calvaires, on n'est pas des meurtriers. Mais là, on a besoin de monde qui vont poser des gestes concrets pour décoloniser le Québec. La grenade, c'est en plein ça que c'était. Un geste concret. Les gens commencent à comprendre que ça mène à rien, la politique. Faites attention à vous autres, gars. Je veux juste savoir où ce que tu t'en vas. Mais toutes tes affaires! Si je leur montre pas que ça me tient à cœur, aux autres, je vais toujours rester le petit bourgeois de Mont-Royal. Cette guerre-là, on la fait jusqu'au bout. On la fait pas partout. Choisis ton camp.